Haïti ou à l'étranger, quel que soit côté où vous suivez Radio Téléconscience Haïtienne sur planète là. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Jeudi à ce mercredi 8 novembre 2023, c'est troisième édition RTCH Info pour semaine là. Mais quelques points cap dominé actualité. Numéro 1, bio intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, Maria Isabel Salvador, voyez jeter l'idée pour une nouvelle transition ta vine remplacer. Premier ministre Ariel Henry dans tête pays d'Haïti, Maria Isabel Salvador prend position si là, à 7 novembre dans une publication sur compte Twitter. Coordonnateur Front National Organisation Résistance pour Haïti et Stable Acte Démocratique Rosemont Jean, considéré comme diversion accusation certains monde a porté contre Martine Moïse, comme quoi l'État implique assassinat président Jovenel Moïse. Selon Rosemont Jean Manevsa, c'est pour éviter lumière faite sous assassinat ancien chef l'État nation. 2487 moun déjà couru quitter Kayo nan Mariani à cause bandi Axam ap semen la troublai depuis 1er novembre passé a, selon bilan OIM qui précisait poko gen chiffre sou moun ki perdi la vie nan événement ça. Dans un message à publié sous compte officiel Twitter li mardi 7 novembre 2023 passé à numéro 1 bureau intégré Nations Unies dans pays d'Haïti Maria Isabel Salvador voyez jeter l'idée pour une nouvelle transition ta vienne remplacer premier ministre Ariel Henry dans tête pays d'Haïti à partir 7 février cap vini là chef binian qui fait connait pays d'Haïti pas qu'à sortir dans transition n'a installé une autre transition plaider en faveur organisation élection dans pays a pour mettre fin dans transition politique là selon Maria Isabel Salvador, si la cap mande yon nouveau transition en Haïti ap défendre intérêt personnel yo au lieu intérêt pays d'Haïti. Parti politique debout patriote exprimé préoccupation face à ingérence communauté internationale là dans affaires internes pays d'Haïti qui selon estritissa ses conséquences chi répit entacté haïtien yo qui pas jam rivé entendre sous l'essentiel dans sens ça président parti politique debout patriote là Felito Doran invité acte haïtien yo prend conscience pour permettre pays à reprendre droit grand d'être li Felito Doran c'est président parti politique debout patriote qui était dans micro radio téléconscience haïtienne. Par rapport à la tragédie sans pareil, population haïtienne à vivre, nous-mêmes, debout patriotes, nous observons un découragement total et avec un sentiment de révolte. Événement yo qui te mené depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse là, mène nous dans la dégradation générale d'Haïti. La situation a trouvé le jour en bas chapitre 7 Nations Unies si porté par deux résolutions Conseil sécurité 2699 et 2700 pas capable joindre minimum consentement l'idée actuelle yo tant kou majorité classe politique là ak organisation civile là remettre autorité supranationale yo à gouvernement étranger yo pour toute bagaille qui concerne attribut souveraineté l'état crise sous développement qui afflige pays nous remonter dans contre-révolution dans l'année 1806 assassin empereur qui te fait nous payer ça y aurait les dettes indépendance là baille la France jusqu'à pendant tout 19e siècle. Mais les restrictions qui associées à la décision ça ont détruit toute possibilité pour capitalisation, création infrastructure avec l'école peuple haïtien. Action ça a empêché Haïti de développer comme un pays indépendant. Ak yon économie qui gen propre orientation, yon l'État qui gen institution,
qui capable de satisfaire besoin citoyen lio ak yon société civile organisée. Après ça, occupation militaire États-Unis dans Amérique 1915-1934 ak politique pour encourager importation exportation ak établissement bourgeoisie kap enrichi nan zafè échange. Action sa yo détruit possibilité yo nous tap gen pour créer factory ak yon fondation nationale. Bay naissance nan développement yon bourgeoisie nationale. C'est peut-être ça. Économie haïtien kembe pendant tout 20e siècle là nan dépendance totale ak faibli sous application politique néolibérale yo. Programme ajustement et structurel, institutions financières internationales, payer dette et privatisation forcée. Ensemble, nos mafias et clans criminels, bourgeoisie comprador, nos complicités serrées et majorité femmes et garçons haïtiens dans la politique, et yon gros acteur société civile là t'es pratiquement détruit Haïti pour faire l'argent dans corruption dans impunité totale renforcé sous temps par yon zèle assemblage à travers pacte industriel yo ak zone franche yo représentant yo nan sa yo rele secteur business yo te ki donc facilité pi gros pénétration dans capital technique et financier international yo et puis yo té réussi dans appliquer projet antinational yo dans interdit production locale n'importe bagaille yo ka importer détruit production nationale pour soumettre demande nationale yo à capacité importer yo exploiter main d'œuvre nationale pour bénéfice compagnie transnationale yo. Dans le 21e siècle, dans l'époque globalisation transnationale, l'ordre mondial, qui sortit dans la Deuxième Guerre mondiale, la redistribution centre mondial pouvoir yo. Pendant la fête, te mène nous dans un gros changement géopolitique, technologique, militaire et stratégique, et économique, sous yon échelle planétaire. C'est peut-être ça. Pays nou an pas fonctionné jan sa ta dwe fèt comme yon entité souveraine ak propre intérêt li yo. Ki jan nou ka fè face ak effondrement socio-économique la ak déplacement l'état haïtien yan. En réalité, ça qui y jan en Haïti jodian, c'est pi plis passe reconstruction matérielle ak sociale yon pays. Vrai problème non, c'est application succès, ou soit sans succès, nan réorganiser ak reformatage Haïti d'après logique contrôle hégémonique là, mais qui vise reste monde là. Devant danger ça, debout patriotes, lancez un appel pour conscientisation collective. Et puis, il y a intention de forger lien entre toute organisation progressiste dans la société civile et la diaspora, organisation paysanne, groupe et association femmes, intellectuels progressistes, ak organisation jeune yo qui donc créer yon gros coalition qui capable tabli tête li comme yon vrai acteur social ça veut dire yon acteur collectif qui capable faire action qui vise transformation profonde société a kilti ak économie pour reprendre chemin autodétermination.
2487, c'est quantité moun qui déjà couru quitter Kayo suite à attaque bandi Axam depuis 1er novembre passé ya, kap simen la troublaille nan Mariani qui trouvait dans commune Kafou, selon un bilan organisation internationale migration, OIM qui souligné pour qu'on gain chiffre sur quantité moun qui perdit la vie dans cadre attaque ça. D'après OIM, plusieurs nan moun qui quitté Mariani yo allait prendre refuge dans commune Gressier et spécialement dans première section communale Mon Abato. Coordonnateur Front National Organisation Résistance pour Haïti Estable et Démocratique Rosemont Jean, considéré comme diversion accusation certains moun, a porté contre ancienne première dame République là Martine Moïse, comme quoi l'État impliqué dans assassinat président Jovenel Moïse, selon Rosemont Jean, yon série de détracteurs a utilisé nom Martine Moïse dans l'idée pour empêcher lumière faite sous assassinat ancien chef l'État haïtien. Rosemont Jean était dans micro Radio Télé Conscience haïtienne. Tout le monde connaît monsieur, tu fais partie d'un gang. John Colin Morvan, c'est un ancien membre gang. D'ailleurs, il est fondateur de gang ça qui te relé sans pression d'Elma 19. Il met la presse en défi, descend dans la ligne, dans le bas d'Elma 19. Il met une enquête sur gang ça qui te relé sans pression et puis il connaît qui est le monde qui t'a dirigé gang ça. Je dis à moi, c'est gang ça qui célèbre. Bon. Napoléon rend ni célèbre parce que le Napoléon fait le japper, fait l'abjapper chaque jour et nous trouvons monsieur Sonnay qui s'en rend en pile parce que lorsqu'on met tête dans une situation pareille pour obliger ou à démentir toutes sortes de dit et puis je dis on continue ou à japper l'autre monde qui pas même moi nous voulons que tout le monde connaisse et son job John Colin Morvan a fait. L'a dit montrer l'elle soi-disant dit il l'a fait des révélations en comprenant Martine Moïse de participer dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Son manœuvre, son stratégie pour être capable de retirer le projecteur sur l'assassin et puis pour créer ça relé trouble, pour créer confusion, pour empêcher nous focus par rapport à côté nous aller. Nous dit nous-mêmes nous clair, nous connaît trois camoun important qui participait dans l'assassinat de Jovenel Moïse, c'était une justice fonctionnelle qui tape travail tout beau pour permettre Jovenel Moïse jouer une justice. Jovenel Moïse tape déjà jouer une justice. Et c'est pour ça matin, nous dénoncer démarche, campagne de dénouement qu'a fait contre Martine Moïse pour détourner attention moun kap goumen pour capable vider faiblesse pour détourner attention moun sous assassinat de Jovenel Moïse. Nous dit ça pas passé. Et nous-mêmes nous déterminer, nous allons jusqu'au bout. Yon camion qui tape transporté marchandise chaviré à Elan nuit ma 17 novembre 2023 sur route nationale numéro 7 là et spécialement dans bonne rampe qui relie Jérémy à Okay selon information au plusieurs moun perdit la vie dans accident ça parmi yo chauffeur camion. Sous initiative organisation Nord-Ouest debout, plusieurs dizaines de citoyens planté piquet yo journée mercredi 8 novembre 2023 devant local ministère travaux publics dans Delma 33 pour mandé ministre travaux publics là prend disposition pour rapoursuivre ak travail tant que construction route qui était démarré sous ancien président Jovenel Moïse. Protestataire qui mandé ministre travaux publics là pour voyager sous département Nord-Ouest fait qu'on est Nord-Ouest pas qu'à continuer à traiter en parent pauvre. En suite déclaration quelques protestataires qui était dans micro Radio Téléconscience haïtienne. Ministère des Travaux publics, c'est le ministère qui a plus comme alloué dans le budget national. C'est inconcevable pour un département qui est le nord-ouest pays, hein, malgré toute l'histoire que nous connaissons, et nous connaissons le département ça a gagné. Donc, pour le gouvernement décider de continuer à traiter le nord-ouest en parents pauvres. Ce n'est pas possible pour les communes du Nord-Ouest ne pas relier avec le Nord-Ouest. Ce n'est pas possible pour l'autre rivière continuer à jeter pendant que plein de gens à Belle, Técabaye, le Grand Nord manger. Ce n'est inconcevable aujourd'hui pour le projet qui a commencé sous le département, pas fini. Alors que Rosemont Bradel, comme monde qui était en opposition face au gouvernement qui était là avant, tu es toujours monté au créneau pour dénoncer ça qu'a fait. Et aujourd'hui, nous, de manière, on va que nous pas même qu'arriver à comprendre pour monsieur ça, là, la diriger, le ministère en main, alors que pas grand trou
dans la rue qui bouché, pas grand qu'un projet qui était initié qui continue. Donc jodian n'a demandé Rosemont Bradel pour au moins lui tirer la révérence s'il sentit pas capable pour le espace à moun qui conscient de problème pays a, conscient de réalité a, pour permettre vraiment pays a vraiment prendre le développement. Donc on est déjà, c'est un projet, me penser qu'un projet national. Parce que si nous faisons un constat général, tout le monde a constaté que le pays d'Haïti a des problèmes de route. La question infrastructure n'est pas vraiment priorité du gouvernement. Ça. Mais cependant, il y a une situation assez particulière qui préoccupe nous là et qui facilite que le groupe jeune ça aujourd'hui. C'est qui ça? Aujourd'hui, le département nord-ouest, de façon historique, toujours présenté, toujours très mal, non seulement mal représenté, mais toujours traité en parent pauvre devant tout le gouvernement. Là. Donc, dernière petite démarche qui a essayé de faire, c'est sous le président Jovenel Moïse, qui a des projets qui ont été initiés, notamment route Kafoujov pour des paix, avec construction, et l'hôpital au Fatma qui a fait, et avec arrivée Ariel Henry dans le pouvoir, tout projet ça a décidé de camper. Je le dis, on a fait face, par exemple, Banodouès a fait face à une situation difficile, avec la pluie qui tombe dans Banodouès, une déconnexion totale entre quatre communes dans Banodouès. Si on voulait parler de Jean Abel, Moïse Saint-Nicolas, Bombado, Moïse Bédéen. Donc, pas de bon l'hôpital dans quatre communes, que Jean Abel et l'hôpital qui a servi zone ça. Je le dis, on a sorti dans trois communes, on voulait parler de Bédéen, Bombado, Police. Et Moïse Saint-Nicolas, pas qu'à aller Jean Abel à cause de route coupée. Donc, je le dis, nous-mêmes qui là, nous connaissons une sorte de centralisation de pouvoir en Haïti. Donc, c'est pression pour faire sous l'État, notamment le ministère des Travaux publics, pour exécuter, pour non seulement finaliser le projet, ça, mais faciliter la reconnexion, non seulement quatre communes bas nord-ouest avec au nord-ouest, mais nord-ouest avec l'autre département, on veut parler Artibonite, nord-est, nord. C'est ça que fait nous-mêmes qui là, nous venons aujourd'hui, puisque le budget ça, qui fait voter, il y a une forte partie qui a loué avec Travaux publics, nous venons pour nous demander parti par nous. Nous venons pour nous demander continuité pour le projet qui était là. Yo. Donc, je vous dis, nous connaissons un phénomène qui viral, qui canal. Nous avons tout profité d'annoncer, nous gagnons trois rivières qui sont une grande rivière dans le département nord-ouest. Que si nous canalisons, si nous faisons faire des drainages, donc nous avons produit question, nous avons relevé la production nationale dans le nord-ouest. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes, petit nord-ouest, nous venons camper là aujourd'hui pour nous dire, nord-ouest pas capable encore, nous avons demandé à la richesse. Pour lui dégager le coup, Jean-Jacques, finaliser. Rosemont Bradel, désolé, pour lui finaliser le projet Nord-Ouest et continuer avec le projet route Nord-Ouest. C'est le motif nous, la journée aujourd'hui. Depuis qu'on chez Pipi, tout Nord-Ouest inondé. Toute zone Nord-Ouest inondée. Pas d'aucune canalisation. Pas d'aucune pont qui fait. Pas d'aucune côté machine qui a passé. Je dis, non plus nous avons une situation, pas qu'aucune route, mais voler envahit toute zone. Voler envahit toute zone, caché dans tout le monde. Je dis, ni Ariel, ni Rosemont Bradel, c'est des volets, c'est des kidnappés qui viennent kidnapper le pays, qui kidnappent la zone. Je dis, une équipe volée qui est cachée dans la vision, qui est cachée dans l'unité, qui est cachée dans toute notre partie politique, c'est grave, je viens régler. Et si nous montons dans Belleville, je dis, allez nous arriver dans Belleville, Naboué, Rosemont Bradel, mon Kaila Bati, qui coûtait au moins plus de 500 000 dollars américains. C'est sous notre sens, nous mettons un bout dans la troisième édition RTCH Info pour semaine-là. Mais avant nous aller, rappel Titio. Numéro 1, Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, Maria Isabel Salvador, voyez jeter l'idée pour une nouvelle transition ta vine remplacer. Premier ministre Ariel Henry dans tête pays d'Haïti, Maria Isabel Salvador prend position si là, à 7 novembre dans une publication sur compte Twitter. Coordonnateur Front National, Organisation Résistance pour Haïti et Stable Acte Démocratique, Rosemont Jean, considéré comme diversion, accusation certains monde a poté contre Martine Moïse, comme quoi l'État impliqué dans assassinat président Jovenel Moïse. Selon Rosemont Jean Manevsa, c'est pour éviter lumière faite sous assassinat ancien chef l'État nation. 2487 moun déjà couru quitter Kayo dans Mariani à cause bandi Axam a semé la trouble depuis 1er novembre passé ya, selon bilan OIM qui précisait poukou gen chiffre sou moun ki perdi la vie dans événement ça. C'est point ça yo ak divers lot nou te développé pour dans journal là. Merci pour fidélité ou capable suivre Radio Télé Conscience Haïtienne sur différentes plateformes tant que Facebook, YouTube, Instagram ak Twitter. Bonjour, bonsoir tout moun.